Bonsoir. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De pire en pire, de pire en pire. Aujourd'hui, on se retrouve chill, complètement chill, parce que aujourd'hui est le jour du Saint Graal qui est arrivé. Au matin de ta vie sur la planète éblouie. Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais me faire démonétiser clairement. Et pour les 5 euros que je gagne par an, hein. Si vous me suivez sur Instagram, malgré que je ne sois pas toujours très présente, de temps en temps ça m'arrive, je fais quelques stories et je vous avais annoncé avoir reçu ce calendrier de l'Avent de Nuo. Je vous avais fait une stories la veille pour vous dire, franchement, dans tous les calendriers green, celui qui me tente bien, c'est celui de Nuo, de par son contenu, mais aussi de par la pochette. C'est une sorte de Vanity Fair comme ça. Enfin, j'adore. La couleur est canon. La grandeur, on en parle. Enfin, il y a de quoi vraiment, moi qui voyage beaucoup, etc., il y a de quoi réutiliser correctement ce Vanity. Et le lendemain, je reçois un mail comme quoi ma commande a été validée alors que je n'ai passé aucune commande. Et bien envoyée. Donc j'ai été voir et je vois que Nuo m'envoie ce calendrier. Alors moi, super happy. L'année passée, j'avais eu l'occasion et la chance de tester celui de mon corner B, qui était vraiment top. Pareil, il y avait le côté réutilisable parce qu'on pouvait réutiliser les petits pochons. Et je vous avoue que cette année, voilà, par celui de Nuo, éventuellement Mademoiselle Bio. Oh My Cream aussi, mais assez cher. Enfin voilà, j'avais pas trop envie de dépenser de sous. Et d'un autre côté, j'ai assez de produits ici. Enfin voilà, je m'étais dit, c'est pas grave, l'année prochaine, je me ferai un petit kiff. Et donc quand j'ai reçu ce mail, oh joie. Et également un autre que j'ai reçu qui, dans la prochaine vidéo, ce sera la deuxième vidéo, ouverture de calendrier de l'Avent, c'est celui de Mademoiselle Bio. Donc autant vous dire que j'étais ravie et que ça a refait ma semaine, parce que c'était pas ma journée, c'était ma semaine. Et donc voilà, je vous ai demandé si ça vous intéressait une vidéo YouTube, vous m'avez dit oui, donc on va pas trop tarder, hein, parce que déjà avec moi c'est long de manière générale, mais là on a 24 cases à ouvrir, let's go. Donc comme je l'ai dit, on est sur un tote bag comme celui-ci, magnifique, il est assez grand, je vais le mettre comme ceci, comme ça vous voyez, franchement il est très très grand, il est vraiment vraiment magnifique, la texture, c'est du coton, 100% coton si je ne me trompe pas, et alors on est sur une texture toute douce, enfin bref, je suis fan, vous l'avez compris, je pense. Lorsqu'on ouvre, on a un petit papier de merci qui vient de tomber, donc je ne vous le montrerai pas. On a un petit carnet qui va comprendre chaque jour du calendrier de l'Avent, qui va vous expliquer chaque produit du calendrier de l'Avent. Ça vous donne également des recettes, des petits tips. Enfin, franchement, complet, donc très très beau. Nickel pour suivre le tout. Et alors, je vois par contre qu'il fait marqué routine visage, routine cheveux, routine corps, routine make-up. Est-ce qu'ils ont rassemblé le calendrier de l'Avent en différentes parties? Il y a l'air que oui. Ça peut être sympa, ça. Bien que des fois, tu as envie d'un autre produit et pas toujours les mêmes d'affilée, mais ça peut être très très sympa, ça. Et ensuite, vous avez différents petits sachets craft avec les produits, les numéros qui correspondent aux produits. Enfin voilà, très simple, très basique, mais il n'en faut pas plus. Le craft, celui-ci est recyclable. Moi, personnellement, je les brûle dans mes feux, hein, quand c'est possible, bien sûr. Et donc, voilà ce que donne le Vanity de près quand on le ferme. Enfin, je trouve qu'il est extrêmement beau, extrêmement grand. Enfin voilà, il va extrêmement me servir, c'est le cas de le dire.
Alors, on va essayer de faire pratico-pratique. On va ouvrir un par un en voyant déjà que le 19 est en première position. Ça va être très marrant, très drôle. Je n'ai aucune table autour de moi, donc voilà. J'ai mis des draps par terre pour réceptionner chaque produit, histoire de ne pas les casser après. Je vais les ouvrir très délicatement pour pouvoir les réouvrir en stories après, tous les jours de décembre. On va déjà essayer de choper le numéro 1. C'est très mal fait. En fait, le premier, il faut aller tout en dessous pour l'avoir, c'est ça? J'ai bien l'impression que oui, parce que je ne l'ai toujours pas trouvé. Ah, le premier, je l'ai. Désolée pour ce bruit désagréable que vous avez sûrement dû entendre dans mon décolleté, étant donné que le micro est dans mon décolleté. On a donc le premier ici. Premier, on est sur la marque Dr. Oshka, donc ça c'est parfait, c'est une marque très qualitative dans la green cosmétique, pas donné, donc c'est bien de découvrir des produits et qu'on ne dépense pas notre argent, enfin si on l'a dépensé, enfin non, pas dans mon cas. On est sur un lait démaquillant et nettoyant, donc ça c'est parfait. J'ai déjà ce qu'il me faut, ce qui me convient dans ma salle de bain, mais je ne dis jamais non à la découverte de nouveaux produits et si je trouve mieux, bah voilà, voilà. Par contre, je vois que c'est limited editions, donc il est possible que ce soit pas quelque chose qui revienne. Le numéro 2, je l'ai déjà, je l'adore. Ça paraît con, au début je m'étais dit mais quelle sera l'utilité de ce machin. C'est un pinceau en silicone de la marque Avril qui va permettre d'appliquer vos masques. Et franchement, au début j'étais là, bon ça sert à rien, je vais avec mes mains, etc. Et au final je trouve ça très pratique, très facile à nettoyer, on s'en fout pas partout. Et puis il y a le côté aussi microbe qu'on peut avoir sur les mains, même si on les a nettoyés au préalable, qui est évité grâce à ce pinceau. Donc côté très pratique et j'aime beaucoup. Par contre, je l'offrirai gracieusement à quelqu'un car j'en ai déjà un. En case numéro 3, on est sur un truc de solide. Ah non, c'est juste que c'est en verre et que donc on prend soin. Ah ! Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne YouTube, j'avais dans mes produits terminés une fois testé le déodorant de cette marque, donc qui est la marque Le Molly si je me trompe pas, oui. Je vois par leur petit design qui est assez propre à eux, je trouve. J'avais testé leur déodorant, c'est une sorte de mousse crème coco comme ça, enfin très agréable et franchement très efficace à ce moment-là. Bon après, j'ai évolué, les hormones aussi, donc à voir maintenant s'ils fonctionneraient de la même manière. Mais en tout cas, pour une transpiration normale, aucun souci, il était vraiment top, très doux aussi, enfin bref, j'étais ravie, j'en ai parlé énormément d'ailleurs. Et ici dans ce troisième lot, nous avons un nettoyant et exfoliant coco sonderie soin visage, compo nickel, je suis en train de regarder, nickel. On a 15 ml, donc franchement de quoi faire. J'ai hâte donc de découvrir ce produit. Numéro 4, on est sur la marque Wham avec une eau florale de citron. On est sur un format de 50 ml, donc franchement de quoi bien découvrir l'eau florale, hein. Si vous êtes team eau florale comme moi le matin et le soir avant de mettre un sérum, une crème, franchement c'est top. L'eau de citron, ça va, alors si je ne me trompe pas, ça va purifier, ça va réguler un peu l'excès de sébum, donc parfait pour les peaux mixtes à grasse, donc parfait pour mon type de peau avec mes grains de millium, etc. Enfin voilà. Ah ben, purifiante et clarifiante, idéal pour soin des peaux mixtes à grasse. Je suis quand même vraiment trop forte. Cet hydrolat, c'est écrit en très petit, hein, d'agrumes éclaircit le teint, le rend frais et lumineux tout en resserrant les pores, on dirait que j'apprends à lire. Purifiante et astringente, elle rééquilibre les zones grasses et atténue les imperfections. Elle prend également soin des ongles. Ah ! Désolée, hein, mais c'est en tout petit. En leur redonnant de l'éclat, utilisation vaporisée directement sur la peau ou sur les cheveux déjà nettoyés. Ah oui, c'est bon pour les cheveux aussi, pour purifier au niveau du cuir chevelu. Alors, par contre, vaporisée, je suis pour les cheveux, pour ici. Par contre, je suis contre au niveau du visage. De 1, une eau florale peut être plus agressive si elle est vaporisée, pour ceux qui ne savent pas. Mais en plus de ça, de base, toutes les eaux florales permettent de nettoyer la peau et de réguler le pH de la peau. Donc tout ce qui est calcaire, sudation, pollution, etc. On vient nettoyer ça. Donc si vous sprayez sur le visage, ben oui, vous allez avoir les propriétés, mais ça va pas nettoyer votre peau puisque tout va rester là. Donc l'idéal, c'est sur un coton, c'est beaucoup plus doux comme geste. On vient nettoyer, donc retirer toutes les impuretés qu'on a sur la peau et en même temps apporter les propriétés de l'hydrolat.
En plus, je pense pas avoir déjà testé la marque Wham, à part leur beurre de mangue ou un truc comme ça. Une odeur de citron, enfin de yuzu. Mais sinon, je pense pas avoir déjà testé d'autres produits de leur shop. Numéro 5, on est sur le booster à la vitamine C de la marque Novexpert. Marque Novexpert qui est une marque très quali aussi dans la cosmétique green. Mais pas donné en termes de budget. Et on est, c'est quoi, c'est une eau? Tout type de peau, matin et ou soir, usage externe seulement. Ouais, on dirait une eau, donc ça doit être une lotion. Donc, lotion booster à la vitamine C. Alors, moi, c'est très bien. En ce moment, je suis vraiment en routine lotion ou hydrolat, sérum, crème. Donc, ça ira dans ma rangée de lotions à tester. J'ai hâte. Du coup, je vais regarder dans le petit livre un petit peu parce que... c'est simplement un booster d'éclat. Un sérum ? Ok, c'est un sérum. Pour booster l'éclat de votre teint, associez ce booster à un nettoyant éclat de la même gamme. Ouais, tout ça pour nous faire acheter, hein, on a compris le truc. Faites profiter à votre peau des bienfaits de la vitamine C, reconnue pour ses actions anti-âge, anti-tache, éclat du teint. Ce concentré agit comme un booster pour éliminer votre teint en quelques secondes. Prélevez une ou deux noisettes, puis répartissez le sérum sur l'ensemble du visage et les zones ciblées. Taches pigmentaires et rides, ça c'est bien pour moi. J'ai des taches pigmentaires et j'ai des rides d'expression. Énormément. Et sûrement dit dans le teint. Il peut s'appliquer seul ou avant votre crème. Super, donc c'est un sérum, ce n'est pas une lotion, autant pour moi. Alors, mon problème, c'est que est-ce que c'est le 6 ou est-ce que c'est le 9? Si on suit la façon de coller, c'est le 9 celui-ci, donc le 6 c'est celui-ci. J'ai l'impression que c'est Noël déjà aujourd'hui. Je vais avoir du mal de me retenir, de les utiliser jusqu'au unboxing de Noël et de les ranger. Vous savez, quand vous devez laisser un truc là et que vous ne pouvez pas ranger dans vos petites rangées, lotion, sérum, machin. Sixième de la marque Meden. Alors, je l'ai vu passer cette marque, j'ai jamais testé et du coup j'ai hâte. On est sur un concentré contour des yeux. Parfait, ça ne pouvait pas arriver un meilleur moment. Regard fatigué, pareil, ça ne pouvait pas arriver un meilleur moment. Et je regarde la compo, elle est nickel, c'est que des huiles. Par contre, c'est un peu huileux du coup. Ça va être, on est sur un fini huileux et pas sur une crème. Petit contenant en verre, roll-on, enfin bref, j'aime beaucoup. Centifolia, crème visage hydratante à l'huile d'amande douce, tout type de peau. Ok, on est sur un classique, sur un basique, je ne l'ai jamais testé, mais voilà, ok. Calme les sensations d'inconfort de votre peau. Votre peau est hydratée, douce, apaisée, elle retrouve un confort naturel. Ok, gros format ici quand même, hein. On est sur un format de 50 ml, donc en général c'est les formats de crème, hein. 50, 60 ml, c'est format basique. Désolée si la luminosité diminue, il est 16h30. Ça devrait aller, mais aujourd'hui, non seulement il fait pas beau, en plus, il fait noir plus tôt. Donc, je vous dis pas. Numéro 8, la canopée. On est sur la crème de nuit aux actifs oxygénants. 20 ml, 100% d'origine naturelle. Donc, hâte de tester parce que la canopée, c'est une marque dont j'ai entendu beaucoup parler. Et j'ai hâte de voir si vraiment... Parce que moi, j'avais testé quoi? Leur mousse nettoyante visage. Bah oui, elle est bien, mais franchement, il y a mieux, je trouve. Enfin, elle casse pas une patte à un canard. Et qu'est-ce que j'avais testé d'eux? Leur lait aussi nettoyant pour le visage. Hyper doux, apparemment. Et je trouvais qu'il y avait plus doux quand même en termes de cosmetic green. Donc voilà, hâte de tester ce petit produit. Numéro 9 de la marque Respire, que je connais mais que je n'ai jamais testé. On a leur shampoing solide, tout type de cheveux, 94% d'origine naturelle. Ok. Huile d'amande douce, huile de cameline, huile d'avoine et parfum d'amande. Là comme ça sent pas plus l'amande que ça. À voir mouillé si ça va faire ressortir le parfum. Ah, je pensais que c'était... un accessoire, mais non, rien à voir. De la marque Powder, que je ne connaissais pas. Nous avons une poudre de guimauve biologique, gainante et démêlante. Oui, la poudre de guimauve, pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui aiment bien faire des DIY ou acheter des produits pour les cheveux, c'est très très bon. Ça permet de gainer, comme ils le disent, mais de démêler aussi. C'est un très bon démêlant. Je pense que c'est un bon fortifiant et qui fait briller aussi les cheveux. Moi, je l'ai découvert de par les shampoings solides de Druides, si je ne me trompe pas, et une autre marque aussi qui mettait
de la poudre de guimauve et je trouvais qu'il y avait une différence par rapport à d'autres shampoings solides que j'utilisais. Et pour moi, c'était cet ingrédient-là, enfin, de par ce que j'avais lu, en tout cas sur cet ingrédient, je trouvais que c'était ce qui faisait un peu la différence. Donc là, on est sur une poudre pure qu'on nous propose de tester en masque. Propriété apaisante et adoucissante pour les soins du visage aussi. Ah oui, ok, d'accord. Soins de visage ou soins des cheveux. Donc à vous de voir ce que vous voulez. On vous propose de mélanger la poudre à de l'eau et de l'appliquer, soit du coup sur les cheveux. Enfin, tout est indiqué derrière. Donc plutôt sympa. Petit côté DIY, que ce soit pour les teams cheveux ou les teams visage. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Mais écoutez, jusqu'à maintenant, je suis agréablement surprise parce qu'il y a, allez, sans vouloir me vanter, mais je connais pas mal de produits. Alors, j'ai pas tout testé. Je connais énormément de produits, mais là, je pense qu'il n'y en a aucun que j'ai testé. Il y en a peut-être que je connais, mais que j'ai pas testé. Donc, je suis très contente jusqu'à maintenant. Et je trouve que c'est des produits quali et des marques parfois un peu chères qu'on n'ose pas prendre et que là, du coup, on va pouvoir tester. Donc, ça, c'est sympa. Ah, pareil, en parlant de marques coûteuses que je n'avais pas encore testées, qui me tentaient, mais que voilà, en termes de budget, pas pour le moment. On the Wild Side, ça c'est une marque dont j'ai énormément entendu parler. Et on est sur un masque soin cheveux. Donc là, je suis super contente. Comme vous le savez, je suis à fond dans plein de tests et de routines cheveux, etc. etc. Et donc, voilà, ça ne pouvait pas tomber mieux. On est donc sur un masque soin cheveux aux plantes sauvages, bio naturel. Au niveau de la compo, ça m'a l'air sympa, même si c'est petit, donc je vais regarder. Mais ça m'a l'air plutôt sympathique, donc hâte de tester. Et on a 25 ml, donc de quoi faire un bon masque, voire deux pour moi. Peut-être que certains, selon votre touffe de cheveux, ce sera que pour une fois. En 12e position, ah, il fallait bien quand même que je tombe sur un produit que j'ai déjà testé et dont je pouvais vous parler. On est sur le Super Sérum Longueur et Pointe de Clémence et Vivien. Je l'adore. D'ailleurs, il est dans ma salle de bain actuellement, avec celui de Antonin B, j'ai toujours du mal à retenir ce nom. Antonin B, il est quasiment fini. Antonin B aussi, j'alterne en fait parce que j'aime bien ces deux sérums là. Et très bien, bien que j'en ai un ou deux que je veux tester avant de reprendre celui-là, mais il est très bien. Alors si vous vous y connaissez en porosité de cheveux, je vous ferai une vidéo sur cette thématique là. C'est pour les porosités faibles à moyennes. Il est vraiment top. Une ou deux gouttes, hein, si vous avez l'impression que des produits vous graissent en termes de huile pour les cheveux ou de sérum, c'est que vous en mettez peut-être trop aussi, ou peut-être pas, hein, peut-être que c'est juste vos cheveux qui ne supportent pas, mais c'est peut-être aussi que vous en mettez trop. Généralement, une ou deux gouttes d'huile, c'est assez, même si on a l'impression que ça va pas tout prendre. Croyez-moi, ça va prendre vraiment, ça va bien s'éparpiller. C'est un peu la même chose sur une peau, hein. Vous prenez une lichette, vous allez faire ça, vous allez avoir de l'huile partout. Ici, comme c'est des cheveux qu'on voit pas, etc., on a l'impression qu'on en met pas assez, mais je vous assure que si. Donc, ravi, franchement, il est vraiment top. Moi, j'utilise dans ma routine curly, donc après l'étape du gel pour venir vraiment sceller, pas l'hydratation, parce qu'on n'hydrate pas un cheveu comme je vous l'ai déjà dit, mais tous les produits qu'on a mis auparavant pour bien les maintenir en dessous et que ça reste tout le long de la journée, donc ça protège et gaine les cheveux. J'adore, est-ce qu'on peut faire ça tous les jours s'il vous plaît? Oh, on ne pouvait pas me faire plus plaisir aussi, j'adore les bougies. Donc spoiler, bougie, champagne. Mais alors, c'est la marque quoi? Non, la bougie s'appelle champagne. Niveau odeur, on a rose, amande et framboise. Mantra du mois, oui. Parce qu'à tout moment, on veut des paillettes dans notre vie. Ça va, niveau mantra, on aurait pu faire mieux les gars. Hein. Candle Box Provence et Nuo Box qui ont fait cette bougie. Ok, d'accord, un petit partenariat. Bougie végétale 100 grammes, toujours recentrer la mèche. Cire de soja sans OGM ni pesticides. Mèche en coton, non traitée, non blanchie. Ok. Oula, ouf. Ça sent bon, mais j'ai eu d'un coup là. Alors, pour moi, là, c'est trop fort. Et pour moi, pourtant, il faut y aller pour que ce soit trop fort pour moi. À mon avis, le fait que ce soit resté fermé, etc. Mais par contre, comme moi, tout est ouvert en bas dans mon lieu de vie, je pense que c'est le genre de bougie qui va sentir très, très fort. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Mais là, comme ça, elle arrache le côté... D'ailleurs, vous savez, j'ai un petit côté suré qui vient dans la bouche, là, quand vous avez la salive. Le côté framboise prend le dessus, enfin, un fruit un peu acidulé, comme ça. Ça sent pas mauvais, mais c'est trop fort. Mais
pour une bougie, en tout cas, je trouve que c'est pas plus mal à voir. Je vous en ferai un retour en stories de toute manière quand je l'allumerai et que je l'aurai fait aller quelques minutes. Mais très bonne idée de mettre une bougie dans un calendrier d'avant. En tout cas, moi, je suis fan de bougies en termes général, donc très bonne idée. On a ensuite en numéro 14 de la marque Beleza, que je connais, qui est une marque des Cévennes, un soin de douche essentiel, moussant ultra doux concentré, tout type de peau, corps, visage et cheveux. Ok, d'accord. Ici, on indique circuit court, donc c'est une marque qui travaille en circuit court, donc avec je suppose des agriculteurs et des locaux quoi. Et Beleza qui veut dire beauté en occitan. Sa base moussante et ses ingrédients cévennois, extrait de châtaigne, jus de pomme rainette du Vigan, miel et extrait de souci. En font un soin de douche sensoriel et ultra doux. Il préserve la barrière naturelle de la peau et du cuir chevelu en respectant le film hydrolipidique. La peau n'est ni agressée ni desséchée, peut servir de shampoing. Très bon à savoir. Désolée, défaut, mais je regarde la composition parce que je vois 95,6% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc du coup, je me dis, où est le synthétique? Qu'est-ce que c'est comme synthétique? J'analyserai ça plus tard. En 15e position, nous avons la marque Mira. Pareil, j'en ai déjà entendu parler, mais jamais testé. Winter is calling. J'adore quand les marques font des jeux de mots comme ça sur leurs produits cosmétiques. Une huile apaisante à base de cannelle et d'orange, ou alors c'est senteur cannelle et orange, je ne sais pas. Huile apaisante et détente, Winter is Calling, répondait à l'appel par la douceur. 5 ingrédients pour un cocktail apaisant. Tout type de peau, donc ça met bien sur la peau, oui. Hein. Par contre, bah, du coup, je vais prendre ça parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de détails. L'hiver, la peau sèche et le froid revient. L'hiver vous appelle, mais rien n'empêche de répondre à son appel par la douceur avec ce petit cocktail d'odeur sucrée et chaude pour régénérer votre peau et la laisser seule avec une danse d'huile végétale et essentielle. Ok, ils se sont pris une petite motivation pour la description du produit. Voilà, Willcor, c'est ça que je voulais comme information. Donc là, on est Willcor et on est parti pour une routine corps, si j'ai bien compris. Donc avant, c'était les cheveux et là, on est parti sur du corps. Ok, d'accord, on est toujours ok pour des huiles pour le corps. Numéro 16, Floram, pareil, je connais la marque, je n'ai jamais testé ce produit, qui est une crème pour les mains aux huiles essentielles bio, infusion divine. 99 du total des ingrédients est d'origine naturelle. Voilà, voilà. Ok, très bien, c'est toujours pratique. Le format est petit, donc pour le sac, c'est magnifique. 17, avant je faisais attention aux étiquettes, maintenant je déchire tout. Vous m'en voudrez pas en stories à ce moment-là, que tout soit pas parfait encore. Ah, la marque Andro, que je connais très bien, avec qui j'ai déjà pu collaborer. Quand je dis collaborer, dans mon cas, j'ai jamais fait de collaboration rémunérée à part une fois avec Mademoiselle Bio. C'est, quand je dis collaborer, c'est d'un procédé de libre-échange. Hein. Donc la marque m'envoie des produits, et alors moi j'en parle et je donne mon avis objectif sur leurs produits. Donc voilà, pour moi c'est une collaboration entre guillemets. Donc j'ai déjà pu découvrir leurs produits, ils ont déjà participé à certains des Give Must Days, d'ailleurs cette année ils reparticipent. Si ça vous tente, ça arrive bientôt. Nous sommes sur un baume à lèvres agrumes. Et donc ça, bah, c'est très bien parce que c'est un des seuls produits que j'ai pas testé de leur marque. Donc très bien, baume à lèvres et agrumes, c'est parfait. J'adore l'agrume en ce moment. Autant avant, j'étais sucrée dans les cosmétiques au niveau odeur. Autant maintenant, j'aime beaucoup le côté agrume. Numéro 18. Mais qu'est-ce? D'abord, je vous montre. Aimé de Mars, donc la marque de parfum. Hein. Et ici, alors c'est nouveau ça par contre. Parfum solide, donc Mythic Iris, qui est quand même un de leurs parfums connus, les plus connus. Mythic Iris et parfum solide. Alors moi, je connaissais les parfums solides de par la marque Pura Bali, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, et que j'ai hâte de commander en parfum quand j'aurai des sous pour mon Noël. En spray, parce que j'avais vraiment adoré l'odeur qu'il m'avait, que j'avais reçue dans une box ou je ne sais plus quoi. Et donc ici, ravie d'apprendre que Aimé de Mars fait également des parfums solides. J'ai l'impression que ça reste quand même plus doux, plus subtil, solide, que parce que moi, Mythic Iris, c'est pas un de mes préférés chez eux. Et là, je trouve quand même que ça sent très très bon. Donc peut-être que je vais mieux l'apprécier en solide finalement. Très belle surprise! Je ne savais pas qu'ils avaient ajouté ça dans leur collection. Très bon à savoir. Oh là là, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, il fera pas trop noir. J'essaierai d'éclaircir au montage. J'ai appris à éclaircir au montage, ce que je ne savais pas faire avant. 19, on est sur la marque... Nu Morning, je ne connais pas.
Le produit s'appelle Moon Milk et ben oui, Nu Morning ou alors Nu et alors c'est leur gamme Morning, je ne sais pas. Valeur nutritionnelle, donc ça c'est quelque chose à manger. Ingrédients lait de coco en poudre, sucre de fleur de coco, ashwagandha, cannelle, reishi, arôme naturel de vanille bourbon. Alors, c'est à mettre dans une tasse. Il y a une petite tasse qui fume là, Kesako. Case 19. Alors, c'est Nu Morning la marque. C'est quoi ? C'est une boisson réconfortante pour vos soirées d'hiver. Peut-être bu à n'importe quel moment de la journée car il n'entraîne aucune accoutumance ni somnolence. Toujours bon à savoir. Cette boisson végétale permet de relâcher la pression et de se détendre pour des journées plus sereines et des nuits plus reposantes. Il contient trois ingrédients principaux, à savoir ashwagandha, là, qui favorise le sommeil grâce à ses vertus apaisantes et booste le système immunitaire. Reishi, qui est un champignon anti-stress et antioxydant qui participe à un sommeil réparateur. Bon, en gros, on va... Et la cannelle, je déteste ça, donc j'espère que ça n'a pas trop le goût de cannelle. J'ai vu qu'il y avait de la vanille, donc en espérant que la vanille prenne le dessus. Mais donc, on est sur la cannelle qui est antioxydante et anti-inflammatoire, qui soutient le bon fonctionnement du système immunitaire. Pour le déguster, mélangez 2 cuillères à café avec 200 ml de lait chaud, ouais quand même, ou froid, de préférence végétal. Ok, why not? Si pas, ce sera pour mon compagnon, parce que moi, cannelle, je suis pas très fan. Mais à voir. Toujours goûter, on peut avoir de bonnes surprises. Ok, par contre, j'aurais pu en mettre 2 au moins. Noël, c'est familial, quoi. Ah, plus que 4, les amis, plus que 4. Ah. Ici, c'est mou. C'est mou. J'en étais sûre, franchement. J'allais vous le dire, je regarde même pas, regardez, je l'ai fait comme ça. Mais bon, j'ai vu la couleur, voilà. Et j'allais le dire, c'est mou et tout. Ah, ça sent l'éponge Ronjac de Lady Green. Ça, je suis désolée, mais c'est un classique dans beaucoup de calendriers de l'Avent. Je l'avais vu. Je pense que c'était dans mon corner B. Je suis pas sûre. Non, je pense pas. Ou dans une box bien précise. Je ne sais plus. On est sur une éponge Konjac. Alors pour moi, bah, c'est toujours très utile pour tout type de peau. Franchement, on n'en a jamais assez. C'est quoi une éponge Konjac? Eh bien, ça va substituer au gommage en grains. Donc c'est beaucoup plus doux. C'est une éponge dure que vous allez mouiller, qui va se ramollir. Et lorsqu'elle est molle, vous allez venir voilà, faire des mouvements circulaires sur votre peau. Ça va venir retirer tout, bah, tous les excès de peau morte, toute la pollution, toute la sudation, tout le calcaire éventuel qui a pu s'immiscer dans vos pores. Bref, ça exfolie doucement et ça désincruste vos pores de toute impureté. Ici, on est sur une éponge Konjac à l'aloe vera. Toujours très utile. Numéro 21, j'adore quand je vois Absolution. Pareil, on est sur une marque qui n'est pas donnée. On est sur un crayon fard à paupières. On est sur un crayon fard à paupières que j'ai déjà, je pense, faudrait que je voie la teinte. Pareil, je l'avais reçu dans une box ou je sais plus quoi. Je pense que je l'ai déjà. Donc ça, je vais le faire gagner aussi, je pense, parce que un concours arrive bientôt, étant donné que nous allons bientôt dépasser la barre des 3000 abonnés sur YouTube. Oui madame, je ne suis pas régulière et pourtant, oui madame, merci à vous tous. On va bientôt être dans le noir, hein, je vous préviens. Quel enfer cette vidéo. Donc on est sur un crayon fard à paupières, très bien, ils sont très quali ceux d'Absolution. Ils sont pas trop gras mais ils sont quand même crémeux pour rester assez longtemps et être facile et agréable d'application. C'est pas trop sec, c'est pas trop dérangeant. Non, moi je les aime vraiment beaucoup et franchement ils sont grands donc il y a de quoi faire. Je connais, j'ai déjà testé. Je vous laisserai aller voir ma petite vidéo ici dans le i, je ne sais jamais où c'est. C'est le mascara Bold Volume de chez Madara. Le Deep Matter, donc je pense que ça c'est le nouveau. Est-ce que c'est le nouveau? Non, ça c'est pas le nouveau parce qu'ils en ont sorti un nouveau récemment, mais c'est pas le nouveau. Il est bien, mais... Je vous laisserai aller voir ma vidéo impression sur ce mascara. Mais par contre, full size là. Hein. Donc en termes de qualité-prix, le prix du calendrier vaut bien tout ce qu'il y a dedans. Là, franchement, agréablement surprise. Avant-dernier, nous sommes sur... Bah oui, il en fallait bien un pour les fêtes. Un vernis très très pailleté, un peu rose, avec des reflets de couleurs voilà, pailletées. On est sur un vernis biosourcé, vegan, made in France, de la marque Nailmatic, et qui a l'air franchement très sympathique. C'est pas mon style en général, mais là, franchement, je m'y laisserais bien tenter. Il a l'air vraiment sympa. À voir, mais pourquoi pas. Non mais les gars, on va se retrouver dans le noir après cette vidéo.
J'ai tenté d'éclairer un petit peu avec les options de la caméra. On verra ce que ça donnera, mais mon Dieu. Oh, c'est l'esprit Noël, cocooning, lumière tamisée, tout et tout. Dernier produit, nous sommes sur la marque Boohoo Cosmetics. Je pense que je l'ai déjà, cette teinte-là. Yes, yes, yes. Ils me l'ont envoyé pour Octobre Rose, si je me trompe pas. Donc, ce sera également un petit cadeau pour vous. On est donc sur un rouge à lèvres et c'est le 103 Dark Nude. Je vous montrerai en focus caméra, mais voilà, qui a un très beau Dark Nude, si je me souviens bien. Il y a la petite couleur en gommette ici, mais pas sûr que ce soit toujours représenté de la bonne manière. Par contre, en finish, j'aurais bien aimé un autre produit finish, un truc un peu plus qu'on fasse... Ah, waouh ! Finir en beauté, voilà, voilà, mais bon, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Et de toute façon, le dernier cadeau... C'est quand même ça, il faut se le dire. Oui, je suis fan, oui. Je ne le répéterai pas assez, je m'en fous. Regardez-moi ce vanity de qualité. La grandeur, enfin, trop beau, j'adore, trop beau. Et donc voilà, mesdames et messieurs, pour ce calendrier de l'Avent de Nuo 2022. J'espère que cette cérémonie vous a plu, que vous avez pu découvrir en fanfare ce calendrier qui, selon moi, alors, petit débrief rapide, franchement, il est beau. On est quand même sur un calendrier de l'Avent à 89,90, donc c'est raisonnable pour ces 24 cases-là. Et la valeur estimée de l'ensemble est à 240. J'aurais même dit plus, je viens de regarder maintenant, j'aurais dit plus, mais non, c'est 240 et donc à la place de 240, vous payez 89,90. Bon, c'est difficilement estimable hein, la valeur totale étant donné qu'il y a des échantillons, enfin des formats voyage, etc., etc. Donc c'est difficilement estimable, mais comme ça vous avez une vue d'ensemble. Je trouve qu'en termes de produits, c'est très varié. En termes de marque aussi, les formats sont pas trop petits. Je trouve qu'il y a moyen selon ben, l'utilisation. Je trouve que c'est très correct au niveau de la contenance. Non, franchement, très belle surprise, agréablement surprise parce que je m'attendais à un truc très simple, des trucs redondants, des trucs qui sont parfois inutiles, ce qui arrive souvent dans les calendriers d'avant. Et franchement, là, non. Donc, très bonne surprise. Merci à eux, d'ailleurs, de m'avoir envoyé ce calendrier d'avant. Merci pour ce magnifique Vanity Fair. Pourquoi je dis Fair ? C'est Vanity. Parce que Vanity Fair, c'est le magazine ou je ne sais quoi, mais c'est pas... Non, c'est un Vanity, il me semble. Bref, une pochette avec une tirata. Comme pour toutes mes vidéos, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais pas vous linker tous les liens de tous les produits. Soyez sympa avec moi, s'il vous plaît. Ça prend énormément de temps. Je vais simplement vous mettre le calendrier de l'Avent de Nuo. Et alors, il y aura sûrement un lien d'affiliation. Donc, c'est quoi le lien d'affiliation? C'est qu'il y a un petit chiffre après l'URL du site. Et en gros, si les gens cliquent sur ce lien-là et que bah, ils décident d'acheter un produit ou l'autre, moi, j'ai un pourcentage sur ce produit. Ça se compte en cents, bien souvent. Mais voilà, ça aide certains créateurs de contenu à être rémunérés pour des choses qu'on fait totalement gratuitement au quotidien. Mais c'est toujours bon de le rappeler. De toute façon, ça c'est un truc que je mets toujours dans la barre d'infos en bas. J'indique qu'il est possible qu'il y ait des liens affiliés dans les liens que je vous propose. Et là, mon micro vient de couper. J'ai dû aller rechercher, etc. pour quelques secondes de vidéo. On parle de liens d'affiliation. Ça y est, ça coupe. Hein. Attention, théorie du complot. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous servir, vous aider à faire votre choix si vous ne saviez pas encore vers quel calendrier de l'Avent vous dirigez, si vous hésitiez à l'offrir à quelqu'un. Je vais m'arrêter là avant qu'il fasse complètement noir. On doit d'ailleurs le voir au niveau de la qualité de la vidéo. Vous savez, quand il y a des petits grains comme ça, ça veut dire que l'ambiance est vraiment ou qu'on a un objectif de merde. Non, je vais pas me plaindre, j'ai un très bon objectif. Mais ici, je vois que, comme je ne m'y connais pas trop en éclairage, etc., je vois que la qualité de la vidéo ne sera pas là. Après, la qualité du contenu, elle est toujours là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous visionnez cette vidéo le soir. Et je vous dis à très bientôt.